Bonjour. Tout le monde est encore un peu perdu depuis ce qui est arrivé à Genzui. Maintenant que nous sommes alliés au clan Satsuma, il faut aller de l'avant. Je dois retrouver mes esprits. En parlant du clan Satsuma, l'un de ces hommes m'avait lancé un défi en duel il y a quelque temps. Tu te souviens? Cela fait un petit moment. J'en rougis. Cela me touche beaucoup, venant de toi. Katsura, nous ne pouvons pas accepter cela. Tu voudrais que nous rejoignions les forces de ceux qui ont conduit Kusaka à la mort? Je t'assure que cela me peine aussi. Je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes l'idée sans protester. C'est pourquoi j'ai préparé un banquet pour nous et les Satsuma. De leur côté, Okubo sera présent. Les hommes de Kuroda seront là aussi. Cela nous permettra de voir s'ils sont dignes de confiance, tu ne crois pas? Bon, très bien. J'évaluerai ce que vaut le clan Satsuma et je ferai un choix. Si possible, j'aimerais bien que tu sois là aussi. Qu'en dis-tu? Bien, j'ai pris des dispositions dans un endroit à proximité. Rejoins-nous plus tard. Très bien, allons-y. Okubo du clan Satsuma est en retard apparemment. Cependant, j'ai vu l'homme qui m'a envoyé cette lettre. Il va y avoir de fortes têtes à ce rassemblement. Ça promet d'être intéressant. Navré pour l'attente. Commençons, d'accord? Katsura, tu te souviens de notre duel? Je dois reconnaître que sur le moment, j'avais été déçu. Tu ne savais pas qui j'étais, mais tu m'as laissé partir. Un samouraï ne fait pas ça. Et maintenant, nous devons lutter côte à côte. Quel désespoir pour les Satsuma. Espèce d'imbécile! Katsura voit l'avenir bien mieux que nous tous. S'il t'a laissé partir, c'est qu'il avait une bonne raison. Ce n'est pas un exploit. Et c'est pour ça que tu m'as laissé partir? Parce que tu avais peur d'affronter la colère des Satsuma? Pure couardise. Toi là, Yamagata, c'est ça? Si tu détestes tellement tout ce que nous avons à dire, essaie donc de nous faire taire. Avec tes poings. Après nous verrons. Alors là, je ne demande pas mieux. Je n'ai pas besoin d'armes pour écraser des cancrelats. Tu regretteras d'avoir manqué de respect à Katsura et au clan Choshu. Hé, du calme! Je vois mal comment arrêter ça maintenant. Si jamais Okubo veut ma tête à cause de ça. Ne t'en fais pas. Laisse-les crever l'abcès. Choshu, ma foi en vous, reste inébranlable. Il suffit d'un seul faux mouvement pour que tout s'effondre. Tu devrais le savoir. Quelle puissance! N'êtes-vous pas censé être un vanguard? Ma foi, si je ne maintiens pas un certain standard, personne ne voudra me suivre. Je te croyais juste bon à bavarder, mais tu n'es pas si mal. Moi aussi, j'ai sous-estimé ta puissance. Katsura, je te demande de me pardonner ma discourtoisie. Alors, on retrouve ses esprits? Cette fête était vraiment une bonne idée. Rien que pour cette bagarre, ça valait le coup.
Renverser le shogunat ne mettra pas un terme à tout. Nous aurons bien besoin d'hommes raisonnables comme Katsura pour arriver à remettre notre nation dans le droit chemin. Je vous remercie, tous! Et maintenant, profitons de ce festin! Pardon de t'avoir entraîné dans tout cela. Mais je dois dire, je suis toujours impressionné de te voir combattre. En fait, cette démonstration me donne envie de tenter ma chance. Que dirais-tu d'un duel contre moi? J'attendrai dehors que tu viennes. Bon, commençons. J'aime à croire que je connais mieux que personne tes compétences. Je ne me retiendrai plus pas. C'est très impressionnant, tu sais. Nakamura pense que je suis trop tendre. Et c'est vrai. Je le sais. Je commence à m'échauffer. Je ne dévierai jamais de notre voie. Tu m'entends, Kusaka? Nakamura. Et je vois qu'Okubo est enfin arrivé. À voir ce duel, tu n'es pas aussi faible que je le pensais. Ta résolution me paraît évidente. N'aurais-tu pas prévu cette démonstration de longue date? Bien sûr que non. J'avais juste envie de dégourdir mon sabre. Cela dit, je suis heureux que tu aies apprécié le spectacle. Cela se tient. Bon, étant ton allié, ce que j'ai vu m'a convaincu. Alors, je te préviens, j'ai l'intention de faire appel à ton sabre. Ah, quelle chance qu'Okubo et les autres aient tout vu. Grâce à ce public inattendu, on dirait que l'Alliance a davantage de chances de durer. La nuit s'est magnifiquement déroulée, grâce à toi. Pourtant, au début, ignorer les provocations de Nakamura n'a pas été facile. Honnêtement, je ne suis pas du tout sûr que faire les choses à ma façon va vraiment pouvoir changer le Japon. J'ai vraiment une vision. Et tout le monde est assez fidèle pour bien vouloir l'accepter. Mais, dans le secret de mon âme, je suis toujours inquiet. Qu'en penses-tu ? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Merci. Si c'est ce que tu penses, alors je n'ai rien à craindre.